de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été pichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que s'ils les reproduisent en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. La ville de Bâle est connue pour sa beauté et son parc Saint-Jacques ne fait pas exception. C'est le moment de l'hymne national des États-Unis. Pendant ce premier hymne, écoutons le second. A priori, on devrait voir un schéma tactique en 5-3-2. Bon, c'est rare de voir une équipe avec une défense aussi renforcée. Mais à mon avis, ça pourrait cacher autre chose. Je pense que les deux latéraux, par exemple, seront assez offensifs et qu'ils tenteront de participer aux attaques dès que possible, en venant apporter des solutions sur les ailes. On est parti pour 90 minutes. D'une aile jusqu'à l'autre. Granit Xhaka. Il allonge le jeu. Seferovic reçoit le ballon. Le centre dévié par le défenseur. Ce sera un corner. Ce sera le premier corner du match. Pas de bol. C'est dommage, mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frappe. Yedlin qui a de la liberté. Et c'est une bonne situation sur l'aile gauche. Un bon centre. Granit Xhaka qui récupère ce ballon. C'est joué long, c'est dangereux. Il est bien placé. Oh, il y a danger. Il y a peut-être un coup à jouer. Et Mbolo. Aucun danger pour le gardien. C'était une frappe tonitruante. Ça a bien failli mettre le gardien en difficulté. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Dans la profondeur. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. Il a trébuché sur cette intervention. Granit Xhaka. Allez, il faudrait aller de l'avant maintenant. Quel rythme dans ce début de match, il ne manque plus que des buts. C'est vrai qu'ils sont bien dans ce début de match, ils ont déjà quelques tirs à leur compteur et ça pourrait bien finir par payer. Il peut y aller dans la surface.
Un centre au cordeau. Pulisic. Minutes se sont écoulées. On est à la moitié de cette première période et toujours aucun but. Yedlin. Et le ballon qui est remis dans l'axe. C'est joué long. Il écarte sur l'aile. Ils obtiennent la touche. La longue passe. Seferovic, bien servi sur le côté. La Suisse insiste sur ce côté gauche. On voit bien qu'ils ont disséqué le jeu de l'adversaire. Ils ont quand même un sacré client sur l'aile. Après, je sais pas, c'est peut-être une tactique brillante pour ouvrir des brèches de l'autre côté. Il cède sous la pression. Voilà une bonne occasion de contre. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. C'est joué long. Non, ça manque d'application. Et le ballon qui passe de l'autre côté. Il joue en profondeur. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Les États-Unis qui exploitent bien les côtés quand même. Oui, surtout devant. Devant, mais vous pouvez nous décrypter tout ça, Darren. Mais avec joie, Grégoire. Ils attirent les joueurs adverses et essayent d'étirer leur défense pour créer des espaces à exploiter par leurs coéquipiers. C'est bon ? Pulisic. 30 minutes au chronomètre dans cette première période. Les États-Unis qui cherchent l'ouverture. Oh, il faut frapper. On la frappe. Joli tir, ça méritait d'aller au feu. Eh bien, dis donc, c'était chaud. Longue passe vers l'avant. Dans la... Mbolo ! C'était presque au fond. Ouh, quelle occasion ! Quel timing dans l'interception. Transversal. Rodriguez à l'opposé. Il cherche la profondeur. C'est une remise en jeu. Mauvaise remise en jeu, c'est récupéré. Et les deux équipes qui continuent à se neutraliser. C'est joué. Il peut y aller. Passe en profondeur vers Mbolo. Mbolo qui écarte le jeu. Il cherche à le servir. Un peu d'oxygène pour sa défense. Il relance côté droit.
Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Granit Xhaka. Touche. C'est la mi-temps, les joueurs vont pouvoir reprendre leur souffle, et nous aussi d'ailleurs. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but, mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. C'est donc sur ce score de 0-0 qu'on va se quitter un instant, et on se retrouve tout de suite. Allez, on est reparti. Bien, toujours 0-0 à la reprise. On attend le premier but. Le ballon dans la profondeur. Il change d'aile. Il cherche la profondeur. Bonne interception, il y avait danger. Il renverse, c'est bien fait. Rodriguez. La bonne diagonale. Ils ont changé d'aile. Ils tentent de la jouer dans l'espace. Dans l'espace. Le bon dégagement. C'est joué long, attention. Elle continue sa course. Ça joue sur la gauche. Le bon centre. Eh bien, sans faire de ma part, c'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la défense, dans l'axe. Ils sont quasiment toujours passés par les ailes. Dans la profondeur, bien vu. Il y a danger. Oh, le duel. Le jeu repart vers la droite. Attention à ce centre. Il dégage. On est entré dans la dernière demi-heure de la rencontre. Toujours pas de but ici alors qu'on se rapproche tout doucement de la fin du match. La passe en profondeur. Long ballon dans le sens du jeu. Va-t-il en profiter? Il est passé. Il centre, attention. Il faut s'appliquer sur ce genre de centre. Il y avait pourtant plein de joueurs disponibles dans la surface. Le jeu s'arrête, le temps de procéder à un changement. Et c'est un attaquant qui rentre. Long ballon à l'opposé. Ce ballon dans la boîte. Ça, c'est directement pour le gardien. Le ballon sort en touche.
Encore un changement alors que le précédent venait tout juste d'être effectué. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. Bon service dans la profondeur. Yedlin. Bien, la profondeur. Le bon dribble. C'est bien ce qu'il fait là. Dans la boîte. Le ballon sur l'autre aile. C'est joué dans l'espace. Le ballon dans la profondeur. Il envoie le ballon. Allez, la tête ! Oh non, sa tête n'est pas cadrée. Oh là 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 là, je ne trouve pas les mots. Pathétique. La Suisse qui procède à un autre changement. Attention au coup franc dangereux à suivre. Ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder. Il tire. Mais c'est bien fait, mais ça ne passe pas. Eh bien, dis donc, c'était chaud. Il faut faire les bons choix. Il a un peu de liberté. Quelle passe! L'assistant lève son drapeau. Shaqiri. Shaqiri, ça peut faire mal. Oh, quel bel arrêt. Ah oui, il semble déçu. Il pensait bien que ça allait au fond. Rodriguez, il va s'en charger. Il est fort pour frapper les corners. C'était l'occasion de faire la différence. Quel dommage. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Ça passe à droite. Mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'arrive pas. C'est joué long. Ça doit être rageant pour eux. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. La passe dans la profondeur. L'ouverture sur le côté. Et c'est un corner.
Un peu de coaching, c'est bien. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors, il valait mieux le sortir maintenant plutôt que de rester dans sa chance. Il a centré. Il dit l'arbitre, corner à suivre. Essayez de s'appliquer sur ces corners. Voici un corner qui pourrait tout changer. Le coup de tête. Il manquait pas grand chose là. Ah là là, pas de bol. C'est dommage, mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frappe. En retrait. Ah, dommage, ça manquait de soutien. Il faut se projeter maintenant. Il est passé. Ça doit faire la tentative. C'est fini, le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. On a vu des belles choses dans cette rencontre. Il a manqué les buts. Comme souvent dans ces cas-là, c'était un match nul intéressant. Mais 0-0 à l'arrivée. Alors dites-moi, dites-nous Darren, ce que vous avez pensé de ce match. Vous savez, il y a des jours où on n'arrive pas à gagner. Eh bien, dans ces cas-là, il vaut mieux éviter la défaite.